What, you run out of Marines? Ouais, donc, une partie. Donc, une partie, 3 joueurs contre 3 joueurs. Voilà, intense, hein, parce qu'on voit une poursuite endiablée entre un zilote, un pauvre drone qui passait par là et 5 zerglings. Alors, je pense que le drone va finir. Je pense que c'était un scout qui avait pour but de connaître la technologie que développe l'adversaire, donc la stratégie qui va en découler. Alors, j'imagine qu'il a pas pu découvrir grand chose, hein, malheureusement pour lui. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure mais qu'on n'a pas entendu, c'est que ils ont développé pour l'instant des technologies assez agressives. Voilà. Les Zergs ont fait des poules. Donc c'est le petit bâtiment. Bâtiment verdâtre. Exactement. Qui permet de faire des Zerglings. Voilà. Donc les petites unités les qui petites se baladent. Petites unités vicieuses courent très vite. Et qui ont abattu la drone de reconnaissance. Et qui permettent une agression en début de partie très efficace. Très efficace, effectivement. Alors voilà, ce qu'on voit aussi c'est qu'il a une première expand. Voilà, le joueur Zerg a expand, donc il a créé une deuxième base, ce qui va lui permettre d'avoir d'amasser beaucoup plus de minerais une fois qu'il aura une fois que sa base est développée. D'ailleurs c'est le cas, donc il a déjà trois nouveaux drones, et donc il va commencer à miner comme un petit fou. Remarque qu'en moyenne les joueurs d'équipe du bas a plus de probes que l'équipe du haut. Ah oui, intéressant ça. Donc ça veut dire que l'équipe du bas doit avoir soit un avantage de technologie, effectivement, soit va tenter une agression assez rapide. Donc il y aura de l'action. Effectivement. Alors là, il a déjà 3 gateways. Alors voilà. Ce qu'on voit c'est que l'équipe en bas, on a déjà 2 expands. Alors par contre elles viennent de se faire, alors que l'équipe du haut n'a pris qu'une seule expand. Et les autres doivent se concentrer à... Alors d'accord, c'est une armada d'overlord qui vient d'être créée. Alors j'imagine que c'est un peu tard. Alors les overlords en fait servent à avoir plus de population. Donc c'est le petit chiffre en haut. Eh oui, c'est là. Et ça permet de pas être bloqué quand on a pas assez de place en fait, on peut plus construire d'unités. Je trouve que c'est. On observe quand même un certain immobilisme dans cette partie, hein, puisque les attaques ne sont pas très. Ah bah virulent, j'allais dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'attaques, mais finalement des hélions, donc une technologie plutôt agressive, hein, puisqu'elle ne permet que des raids rapides, dues à la nature des hélions. Ils sont très rapides, mais également très peu résistants face aux tirs d'unités comme les cafards. Bref. Donc un petit raid Hélion qui va sûrement aller taper les harvesters, donc les drones. Alors le problème c'est que non, il est en train de rentrer à la base je crois là. Ah. Parce que c'est chez lui. Oui, effectivement. Voilà, donc par contre ce qu'on voit c'est une armada, une ligne de Zergling. C'est bien le mot armada. Une ligne de Zergling qui va qui a scouté les deux pilotes du joueur Shaolin. Non, du joueur Osef, pardon. Et donc il avait posé judicieusement un pylône à côté de la tour Xenaga. Malheureusement il s'est fait complètement détruire. Les tours Xenaga en fait, ouais. Ces tours donnent un champ de vision tout autour quand on a une unité proche. C'est vraiment un point stratégique en général. Oui, c'est très intéressant puisque vous pouvez voir les unités ennemies arriver bien à l'avance et sans qu'elles le sachent. C'est un point très important dans la prévision et l'action des jeux stratégie, les connaissances de son ennemi. Alors ce qu'on voit c'est que le joueur Scanna une target dans le Protoss duo. Le Protoss duo, où ça? Regarde, d'abord en haut, raté. Pas ici. Donc une Stargate, deux Stargates et des Void Ray en production. Ah donc ça
ça, c'est quand même assez compliqué de commenter comme ça des parties de 3v3 parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à la fois. Et beaucoup d'unités, du coup, ça commence à faire laguer le PC en fait, j'ai l'impression. Ah, exactement. Dommage. Ah. Ici, qu'est-ce qui se passe? Les Zerglings se baladent. Je pense qu'ils font le tour des bases en fait pour savoir si. S'il y a les expandes. Ouais. Voilà. Donc, comme ils sont très rapides, ça ne coûte pas trop gros. Donc, de, les Zerglings rouges, ils vont croiser les petits Hélions. Oui, je pense que ça va faire des étincelles. Agression. Ouh, il s'est fait détruire. Il a tâté un petit peu. Ah, le temps. Ils vont dégâts de zone quand ils sont en mode siège. Et les Zerglings se déplacent en petits groupes. Ce qui fait qu'ils prennent tous les dégâts lorsque un est exposé à une explosion de dégâts de siège. Tous prennent des dégâts collatéraux et donc ça fait beaucoup beaucoup de dégâts aux pauvres petits Zerglings sans armure. N'est-ce pas? Donc une armée qui est en train de se construire. Des Mutalisques en bas. Donc les Mutalisques, ce sont des unités aériennes ici. Voilà. Qui sont très rapides, très mobiles et qui permettent d'arras, c'est-à-dire de tapoter l'adversaire sans que l'autre puisse répondre, et plusieurs fois de suite. Ouais. Donc ça permet par exemple de détruire complètement l'économie si l'adversaire n'est pas assez rapide pour revenir. Oui, effectivement, puisque si son armée qui est en train d'attaquer ne peut pas attaquer la base ennemie, et que le joueur est suffisamment habile pour contourner toute la base ennemie et détruire sa ligne de minerai, eh bien le joueur en question n'aura pas le temps de rappeler son armée à sa base et ne pourra pas se descendre. Zergling plus des rots. Alors là, je pense qu'on a affaire à... Ah non, c'est une attaque. Ils vont expandre, donc ils sont en train de sécuriser leur expand à base de roche au cas où. Donc les Zerglings sont pleines de unités qui tapent, et vu qu'elles sont très nombreuses, très rapides, évidemment, elles font beaucoup de dégâts. C'est l'unité d'ailleurs qui a le plus de dégâts par zone, enfin, par surface. Les roches par contre sont des unités plus blindées, et qui permettent notamment de passer les tours, peuvent s'enterrer et avancer plus vite. Si la technologie est recherchée, non, pas encore. Donc c'est cette technologie qui permet d'enterrer ces unités zerg. Burrow, n'est-ce pas? Burrow. Qui veut dire enterrer. Oui. Donc Lincoln, les joueurs du haut sont vraiment derrière. Je sais pas comment ils vont rattraper. À part le joueur rouge. Le joueur rouge qui se maintient. Il est même un peu au-dessus de ses adversaires. Il est même largement au-dessus de certains de ses adversaires Protoss et Terran. C'est normal que les Protoss et Terran minent un peu moins qu'un Zerg. Un Zerg doit normalement avoir une base de plus qu'un Protoss ou qu'un Terran. Effectivement, ce qu'on voit, c'est que les joueurs orange et rose. Ah, une agression. Ah, oui. Donc les Voidés sont des vieux Protoss qui chargent leur tir. Il n'y a plus ils tirent en contre dans mon star, plus les dégâts qui sont plus puissants. Donc ça passe en 3 phases. À la 3ème phase, ça fait vraiment énormément de dégâts. Il y a combien de Voidrays? Il y en a 7. 7 Voidrays. Donc 7 Voidrays. 7 Voidrays chargés, je peux vous dire que ça fait très très mal. Ça one-shot les Marines en fait. Si les Marines arrivent à la queue-leu, ça les tue tous. Donc ici, on a Des Banelings qui vont faire de la chair à pâté, du vomi de chat de toutes les unités légères de ces ennemis, puisque en roulant avec leur poche d'acide sur le dos, ils explosent en réduisant en bouillie littéralement l'ennemi adverse. C'est des petites bombes sur pattes. Hein, les chars, voilà. Donc, voilà, les chars. Le problème c'est que les chars sont déjà en mode siège. Donc c'est tout un petit groupe de Banelings qui n'a fait absolument aucun dégât au tank en mode siège. Mais voilà, l'agression. Donc en fait, la technique c'est de mettre les chars en dessous, de ramener un ou deux vikings pour pouvoir se garder en haut de la falaise, parce que sinon on n'a pas la vision. Et donc, ils peuvent taper de très loin d'ailleurs, ils peuvent tout porter. Donc là, les joueurs du haut ont changé leur unité pour le défendre, mais voilà, il a déjà détruit tous les drones. Toute la ligne de minerai a été nettoyée par donc les... voilà, on voit le joueur rose. Le joueur rose aussi s'est détruit. C'était complètement détruit. Là, ils sont en train de se faire... Voilà les Mutalisques de tout à l'heure qui détruisent l'économie sans qu'on puisse. Voilà, ce sont des raids très rapides. Très violents aussi. Très violents. De Mutalisques qu'il y a. On en a vraiment une grande. Voilà. Donc, il y en a. 19. Si je ne me trompe pas, il y en a 30 Mutalisques en tout.
30 mutalistes, une armée composée exclusivement de 64 zerglings et 30 mutalistes, donc uniquement des unités très rapides conçues pour harasser le joueur ennemi. Et effectivement, c'est le rôle qu'elles ont joué dans cette partie. Voilà, les joueurs du bas, ils assoient leur économie, ils ont une grosse armée. Ils ont des High Templars. Donc les High Templars ne tapent pas. Voilà. Ces unités ont de l'énergie et ont en fait donc soit le feedback qui en fait fait du dégât proportionnel à l'énergie qu'a l'unité. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le Psystorm. Ah, il nous a fusionné pour faire des archons. Donc le Psystorm fait du dégât de zone. Voilà. Et là, également, contre, les archons ont une attaque de zone. Les archons, oui. En fait, ce sont des unités qui ont 350 de boucliers et 10 points de vie seulement. C'est-à-dire que le bouclier se recharge. Ah. Au bout de 10 secondes, si une unité protoss ne se fait pas taper, le bouclier se recharge. Donc ces archons, si jamais on ne les tue pas, ils reviennent tout le temps. De plus, donc, ils font du dégât de zone. Et donc sur la plupart des unités, par exemple les mutalisques, les Zerglings, toutes les unités qui doivent être un grand nombre pour faire vraiment du dégât, c'est très très efficace. Alors ce qu'on voit, c'est que le joueur rose a été complètement annihilé par le joueur violet. Voilà, donc une com de zéro. Donc il est en train de reconstruire une base. Non mais ça, c'est ça va être long, je pense que c'est perdu. Voilà, l'équipe bio s'est fait l'avantage à l'équipe du bas pour l'instant. Oui, exactement. Mais je pense que vu la quantité de récolteurs, hein, on voit 14 et 14, ça va encore diminuer puisqu'il y a les mutalisques qui sont dans la base ennemie, hein, et qui sont en train de détruire. Voilà, ils ont rasé complètement la ligne de minerai. Hein. C'est fini pour le joueur orange. Il n'y a plus que 8 récolteurs, alors que les ennemis ont complètement expandre toute la map. Je sais pas à combien de base ils sont chacun. Le joueur bleu doit avoir 3 bases. Le joueur bleu clair également. On voit que Maggie a dû se faire taper vu qu'il a plus que 22 sbires. Donc son ami décide de le protéger. Donc OCF. Mais je pense qu'au point de la partie où nous sommes, il ferait mieux de se rendre. OCF qui a la plus grosse économie. Ah ouais. Le plus haute technologie. Donc en gros, StarCraft se joue sur 3 points: l'armée, l'économie et la technologie. Il faut jouer sur ces 3 points normalement pour gagner. Intéressant. Voilà. Intéressant. Donc oui, là, on voit que l'équipe du haut ne produit plus rien. Il n'y a plus que l'équipe du bas. Là, il va bientôt finir cette armée. Voilà, il reste 190 minerais. Ça va très vite finir. Il y aura plus d'income, donc plus de ressources. Ah ben voilà, il passe à l'attaque, il va forcément les finir. C'est fini, c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots, je ne vois pas de verre à couper. Et là, les armées complètes, les 3 joueurs, faire le voyage final. GG, voilà. Victoire tout à fait honorable, victoire totale. Et peut le dire. Ils ont perdu. Bien, c'était une map 3v3 présentée en direct de l'ULS par Dugong et Taloa. Voilà. Merci Taloa. Merci Dugong. Et on retrouvera bientôt sans doute pour un prochain commentaire. On espère que vous avez aimé. Il y a eu quelques soucis techniques effectivement au début. Après voilà, on n'est pas à ça près. Hein, on était en train de faire les réglages. On peaufinait. La prochaine sera sûrement beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace avec des commentaires encore plus intéressants. Ouais. Ouais. Je crois que c'est tout. Le mot de la fin ? Jupe. Merci.